Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous retrouver dans votre émission Made In. Made In, cette émission donc consacrée aux acteurs du développement. Pour cette émission, vous allez constater un léger changement de décor. L'hôtel Azalaï n'a pas pu nous recevoir en raison donc du coronavirus. Nous leur souhaitons tout le meilleur dans cette crise. Et nous sommes dans un décor assez éphémère avec deux invités spéciaux. J'espère qu'ils sont bien installés sur ces poufs qui nous sont offerts par Fofi Industries. Je vais recevoir à ma gauche Nene Keïta, qui est donc la fondatrice de Yelema Consulting. Elle nous dira tout à l'heure qu'est-ce que c'est que Yelema Consulting. Et à ma droite, le docteur Brema Elidiko, sociologue, grand chercheur sur les questions de migration. Et vous allez comprendre que nous allons aujourd'hui parler donc de la migration et de son apport au développement. La migration est au centre d'un certain nombre de politiques de développement dans nos pays d'Afrique et aussi c'est une question centrale en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons avec nous un spécialiste et je voudrais lui dire que quand préparant cette émission, je suis tombé sur un article qui disait que le Mali était une référence sur les questions de migration. Et moi, ma première question, c'est de savoir s'il fait fier de cela. Pour moi, il faut être fier de ça parce que vous savez, le Mali, c'est quand même 5 millions de personnes qui vivent à l'étranger sur une population de 20 millions. Et le Mali, contrairement à beaucoup de pays, a réussi à institutionnaliser la question migratoire, à créer des services dédiés aux migrants et aussi à essayer de travailler avec la diaspora pour voir comment on peut réorienter les investissements dans du secteur productif. Les transferts de la diaspora, c'est quand même 11% du PIB malien. Donc c'est un montant important. Et le Mali a réussi à créer un cadre de collaboration avec la diaspora et avec les autres partenaires techniques et financiers. Donc le fait que le Mali mette en place ce dispositif, pour moi c'est une bonne chose parce que dans d'autres pays, il n'y a même pas un ministère dédié aux migrants à l'étranger. Donc en raison donc, de ce dispositif ça, institutionnel existant, exactement. On peut être fier de dire que absolument. Le Mali est une référence. Hein? Absolument. Moi personnellement je suis fier du Mali de ce point de vue parce que dans beaucoup de pays, il n'y a aucune structure qui s'occupe des citoyens vivant à l'étranger. Or le Mali a même réussi à créer des opportunités pour la diaspora, elle peut voter là où elle est. Et le Haut Conseil des Maliens étrangers est considéré comme étant une structure d'utilité publique. Donc il y a une voie consultative. Et ça permet de canaliser à la fois les compétences techniques, mais aussi les ressources engendrées par la diaspora pour le développement tant soit peu des communes, des villages et des pays. Mais ça va nous amener à une question que je vais peut-être poser à Madame Keïta. Mais avant ça, je veux savoir, Yelema Consulting, dans quoi est-ce que vous évoluez? Alors, Yelema Consulting, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs et des startups. Les entrepreneurs peuvent être des entrepreneurs locaux, mais aussi des entrepreneurs de la diaspora. Je crois savoir que vous en avez fait justement une spécialité de conseiller ceux de la diaspora. Exactement, ça a été, on va dire, la première casquette que j'ai portée en arrivant au Mali, qui a été celle d'être à la tête d'un incubateur qui était dédié à l'accompagnement des entreprises portées par la diaspora. Et aujourd'hui, avec le cabinet, on continue sur cet engagement-là qui est aussi de valoriser justement l'apport de la diaspora à travers l'entrepreneuriat de croissance. Je vais poser une question en lien, cette fois-ci, peut-être qu'on va vous sortir de votre cadre un peu privé. Une question en lien avec la politique que peut mener le Mali sur cette question de la migration. Est-ce que vous pensez que ce soit le Mali ou d'autres pays, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de business des États autour de la question de la migration? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de négociations avec les pays de l'Europe, surtout, pour que la migration soit peut-être maintenue ou contenue. Est-ce que c'est un business qui est en train de se jouer sous nos yeux? Alors, Je ne parlerai pas de business, mais je rejoindrai Brema sur le fait qu'aujourd'hui, les États africains ont un intérêt justement à faire en sorte que la migration continue, étant donné l'apport justement de ces migrants qui vont ensuite devenir diaspora et qui vont ensuite du coup générer des revenus pour le pays. Donc les États africains, à mon sens, hein, ont intérêt justement à faire en sorte que cette migration perdure, qu'elle soit encadrée et qu'elle continue justement à avoir un impact sur le développement du pays. Qu'elle soit encadrée. Est-ce qu'elle peut être encadrée? Oui, elle est encadrée pour le cas du Mali. Vous savez, quand je prends le Haut Conseil des Maliens étrangers, elle est représentée dans 162 pays. Et donc, ce qui est quand même énorme. Absolument. Et dans chaque pays, vous trouvez un conseil de base des Maliens.
qui sont en réalité des structures nationales qui permettent aux migrants de se rencontrer, d'élire eux-mêmes les représentants qui vont après être des interfaces avec les représentants des pays d'accueil, mais aussi avec les pays d'origine. Et quand, depuis 1991, cet encadrement a commencé au Mali, parce que quand il y a eu le coup d'État en 1991, la diaspora a été invitée à participer à la conférence internationale. C'est là où est née l'idée de la création de vos conseils. Et plus tard, on a vu le Mali, avec, dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale d'immigration, a eu des concertations avec la diaspora et avec les autres partenaires. Et donc, depuis septembre 2014, le Mali a une politique nationale d'immigration avec 8 axes et qui tient compte justement de la question de la migration et le développement. Cette politique nationale, je crois que ça va qu'elle était, elle est censée financer. Oui. Elle est censée être financée à hauteur de 120 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, ce financement est nécessaire pour gérer cette question-là de la migration? Parce que, comme vous avez dit, il y a 8 axes, effectivement. Mais un de ces axes, justement, c'est de communiquer sur le fait qu'il faut maîtriser la migration. Absolument. Est-ce que le financement qui est prévu au niveau de cette politique peut être suffisant? En réalité, de l'adoption de la politique nationale de la migration de 2014 à maintenant, ils ont investi plus de 120 milliards. 120 milliards, c'était le budget initial. Mais dans les faits, il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière, sur comment faire de la diaspora un levier pour le développement, sur la sécurisation des migrants et comment, en réalité, promouvoir la protection sociale des migrants qui ont vécu et qui reviennent. Donc, ils ont pu investir avec les partenaires plus de 120 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 200 milliards investis. Donc, investis déjà. Déjà. Mais si vous voulez, c'est un financement qui doit être permanent, continuel, parce que les besoins, en réalité, sont quotidiens et les défis sont énormes dans un contexte de crise, dans un contexte de récession, même dans les pays d'immigration. Donc, les migrants ont pris conscience de ça. C'est pour ça que beaucoup commencent à faire des voyages d'études au retour. Et on a vu les enfants de la seconde génération qui reviennent, qui créent des entreprises ici. Et même on parlera de ceux qui reviennent dans la deuxième partie de cette émission. Et donc, même ceux qui sont là-bas, on voit qu'étant là-bas, ils continuent à garder un lien avec ici. Parce qu'ils se rendent compte que là-bas, ça ne peut pas continuer permanemment. Et de toute façon, la question du retour est une question qui taraude les esprits de tous les migrants. Mais là, ça m'amène à une question hein, de ceux qui, sur ceux qui investissent au Mali. Est-ce qu'ils investissent pour se dire, je vais préparer mes beaux jours à mon retour, ou est-ce qu'ils se disent, il faut quand même investir pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse au Mali? Alors, je pense qu'il y a les deux cas. Aujourd'hui, ce qu'on manque, c'est justement des statistiques qui expliqueraient justement les motivations qui poussent la diaspora à investir. Je pense que la première motivation, c'est d'aider à la subsistance des familles. Ensuite, d'autres qui vont plutôt investir justement pour préparer leur retour et d'autres qui vont simplement investir par attachement et par tout simplement pour avoir un impact sur leur pays d'origine. Par patriotisme économique. Exactement, en quelque sorte. Mais à mon sens, hein, aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération. Nos parents investissaient plus pour subvenir aux besoins de leur famille, alors que cette nouvelle génération d'enfants nés à l'extérieur est plus dans une logique d'essayer de s'investir plutôt que d'investir, c'est-à-dire d'essayer de participer à leur niveau à des actions qui vont avoir un intérêt, un impact sur le développement du Mali, sur l'amélioration du cadre de vie. Pas simplement d'un point de vue financier, mais aussi en termes de compétences, par exemple. C'est une nouvelle génération qui aura plus envie d'investir son énergie, d'investir ses connaissances pour catalyser des opportunités, catalyser un potentiel, et pour qui, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment d'opportunités à leur proposer. C'est cela. Voilà, sur comment s'investir pour le Mali. C'est une question qui va certainement vous faire tilt, c'est celle de savoir si le genre est respecté. Est-ce que dans cette génération ancienne et même cette nouvelle génération, est-ce que les femmes aussi font un travail d'investissement? Bien sûr. Moi, le premier exemple hein, que j'ai de femmes qui investissent, c'est ma mère qui a toujours investi, qui a toujours contribué à la subsistance de sa famille ici, depuis la France.
Et je sais qu'énormément de nos mamans en France aussi font des tontines. Et souvent, ces tontines terminent ici pour des événements sociaux, pour réhabiliter, par exemple, la maison de famille. Et je pense qu'à ce niveau-là, aussi bien les hommes que les femmes contribuent à leur niveau, avec leurs moyens, avec leur système aussi de financement. Ça va permettre de faire un plongeon dans un reportage que nous avons fait, que nous allons vous proposer tout de suite, et aussi à nos téléspectateurs. C'est pas un reportage sur les femmes migrantes ou encore de la diaspora qui sont de retour, mais beaucoup plus des femmes de Sibi qui travaillent le beurre de karité, le karité, pour en faire une source de revenus. Je vous propose donc de suivre ce reportage, Médine. Quand il est question de développement, nous avons tous une conscience vague de la participation des femmes. C'est ainsi que nous avons ramené notre caméra à Sibi, à 45 km de Bamako, sur la route des Guinées. Là, s'offre à nous une concrétisation du rôle des femmes dans le développement rural. Près de 1300 femmes réunies au sein de la coopérative des femmes productrices de beurre de karité de Sibi, Coplassi, mettent en pratique leur savoir-faire et leur courage pour contribuer au développement socio-économique de leur localité. Ces femmes se sont spécialisées dans la transformation et le conditionnement du karité. Aya coopérative Sigle Senga, juillet 2006. Mais ton dame n'a les 2003. Coopérative Sigle Senga, juillet 2006. Mon hagem barono. Mon ba saba, l'imbidou. Oli ba coopérative là. Coopérative, moi, nous sommes mes baraquets. Et bien tout le bois. Et bien ça venait là. Et bien pour mater là. Si nous, comme nous, en bas, baillement, caca safne, ani mouni touli. Safne fle, souguya, ou variété ou dedou. A variété kacha, avec ta formule konantona. Kongamuru bedola, miel bedola, glycérine bedola, argile bedola, nim bedola. Citron b, carotte b, coco b, jabi b. Amen, souguya konantona inigla. Vous l'aurez compris, cette coopérative transforme le beurre de karité en produit cosmétique de tout genre. Ce beurre est obtenu après une série de transformations de la note karité. L'organisation au sein de cette coopérative est digne des plus grandes entreprises. En effet, un groupe est chargé de la cueillette des noix de karité qui, après un long assèchement, enlève les noix et les coques, puis les trie, les lave et les moule afin d'obtenir cette pâte marron. Elle est ensuite barattée à main nue pendant des dizaines de minutes par un autre groupe de femmes jusqu'au changement de couleur pour extraction de résidus. Ces braves femmes tirent un revenu de leur travail quotidien. Mais ce revenu est-il suffisant? C'est dire donc que la transformation du karité et la production du beurre de karité par des coopératives de femmes semblent être un véritable business lucratif. Il est donc d'une importance capitale de voir en ces coopératives de femmes un socle en leur essor économique au niveau local et national.
Retour donc sur ce plateau après ce reportage à quelques kilomètres de Bamako où on voit que des femmes essaient de s'investir pour le développement de leur localité d'abord. Et la question que je vous posais, c'est de savoir quel est votre sentiment sur ce reportage. Moi, j'ai bien aimé ce reportage parce qu'il montre qu'il y a des opportunités ici et il montre l'engagement féminin. Ce qui d'ailleurs corrobore ce que la Banque mondiale disait un peu au sujet des pays du Sahel. 66% des Maliens vivent du secteur informel et ce sont les femmes qui détiennent en tout cas le record d'investissement dans ce domaine-là. Et de montrer le travail que les femmes ont pu faire, pas seulement seules mais ensemble, en termes de coopératives, cela permet de valoriser les expertises et de montrer aussi même finalement des secteurs d'investissement à ceux qui sont à l'étranger. Ah bien. La porte est toute trouvée. Est-ce que à votre niveau, vous êtes assailli de questions des personnes de la diaspora qui veulent investir pour dire quels sont les secteurs dans lesquels ils peuvent s'investir éventuellement? Et puis, une question à la spécialiste que vous êtes. Aujourd'hui, si je dois investir en tant que membre de la diaspora, qu'est-ce que vous allez me conseiller? Waouh. Alors, oui, la première question, je dirais oui. C'est une petite question. C'est une grande question. Alors, la première question, c'est oui. On est très souvent sollicité, justement, pour savoir comment entreprendre au Mali, comment créer une entreprise, quels sont les secteurs porteurs, etc. Je pense que les secteurs porteurs aujourd'hui, ils sont connus. C'est l'agriculture, qui est vraiment le secteur qui abrite un potentiel incroyable déjà depuis des décennies. La terre ne ment pas. Exactement, elle ne ment pas et surtout elle nourrit tout le monde. Donc ça, je pense que l'agriculture reste un secteur très très prisé. Ensuite, on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui veulent investir dans tout ce qui va être les cosmétiques, mais bon, ça revient toujours à l'agriculture. On va avoir aussi dans les nouvelles technologies, on va aussi avoir des entrepreneurs qui veulent intervenir dans le développement durable, sur tout ce qui est écologie, etc. Mais il est vrai qu'en tout cas, il y a un véritable intérêt. Il y a un intérêt pour entreprendre, mais il y a aussi un intérêt pour rentrer, s'installer et entreprendre. Vous me tendez la perche parce que c'est la question que j'allais poser justement, mais sur deux volets. Mm-hmm. On sait que très souvent les membres de la diaspora, c'est pas forcément les parents qui ont migré vers ces pays-là, mais c'est aussi ces étudiants partis pour aller approfondir leurs connaissances, mais qui malheureusement souvent ne reviennent pas. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, les gens ne reviennent pas pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont partis comme boursiers d'excellence, qui normalement avaient un cadre officiel de prise en charge, mais lorsqu'ils ont fini les études pour les premiers, quand ils sont revenus, ils se sont heurtés au chômage et ils ont vu que l'encadrement n'a pas tout à fait suivi, alors que c'est ce qui avait été promis, ils ont signé un engagement au retour. Absolument. Et ensuite, il y a ceux qui se sont débrouillés pour partir, qui ont trimé pour travailler au quotidien, pour payer les études, et quand ils ont fini, ils ont eu des opportunités, parce que finalement, les formations qu'ils partent faire, maintenant on peut les faire ici. Et donc, quand vous revenez avec un master, vous trouvez sur le marché plus de 1000 personnes qui ont le même master dans votre domaine. Donc, la concurrence est rude, alors que là-bas, ils arrivent en tout cas à faire souvent des petits boulots qui sont peut-être mieux payés que même s'ils avaient un boulot officiel au Mali. Mais il y a la question aussi du confort de vie, c'est-à-dire que le Mali, c'est un des rares pays où on peut mourir, en tout cas, même en faisant en tout cas, un sérum ou des choses comme ça. Oui. Donc là-bas, malheureusement, les structures sanitaires étant développées là-bas, le confort de vie étant meilleur, les gens, ils essaient simplement d'évaluer en termes de rapport, de cadre de vie. Et ils se disent, même s'ils reviennent, la réinsertion n'est pas forcément garantie. Cela est valable pour les étudiants, mais c'est aussi valable pour même les entrepreneurs tout court. Quoi. Mais ceux qui reviennent pas forcément pour aller chercher un emploi, mais qui reviennent pour s'investir ou pour investir, comme vous avez dit. Je veux en fait m'intéresser un peu aux différents domaines dans lesquels ils investissent. J'ai fait un petit constat tout à l'heure avant que nous commencions cette émission avec Dr Brema Eli. On s'est dit que beaucoup sont justement dans les cosmétiques, dans la mode et aussi dans la restauration. Est-ce que c'est le fait justement des petits boulots faits là-bas qu'on veut réinvestir ici ou est-ce que c'est un allant personnel vers ces questions-là? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui avaient une profession, une expertise en France et qui vont venir ici pour la dupliquer, pour apporter la même expérience et la valoriser dans un nouveau contexte. Et on a d'autres aussi qui vont saisir cette opportunité de se relocaliser pour aussi se lancer dans un domaine, dans un nouveau domaine, dans une nouvelle aventure. C'est un peu ce que j'ai fait. Moi, initialement, je viens du domaine des ressources humaines et du recrutement. Et en arrivant ici, je me suis dit, c'est le moment, je veux découvrir un autre domaine, un autre secteur. Et c'est aussi ce que le Mali offre aussi. C'est justement cette opportunité
de pouvoir se réinventer, de pouvoir proposer autre chose, de pouvoir se positionner autrement que ce qu'on faisait auparavant dans nos pays d'origine maintenant. Voilà, maintenant c'est le pays d'origine. Je vois qu'il y a un nouveau concept qui a été développé autour de cela, on appelle les REPAT. Je sais qu'il y a une association qui existe au Mali. Pour ceux qui reviennent, et vous êtes membre de cette association. Et la question que je veux banalement poser maintenant, c'est de savoir si le fait de revenir est un gage de succès. Je vais peut-être voir avec Dr. Brema Eli. Est-ce que tous ceux qui reviennent ont des success stories, comme on dit? Pas tous. Moi, j'ai la chance, dans le cadre de ma thèse, de travailler sur les entrepreneurs qui investissent en région parisienne et ceux qui reviennent à Bamako et à Kai. En fait, il y a ceux qui sont revenus par obligation. Par exemple, le père de famille décède, ils n'ont pas d'autre choix que de revenir pour s'occuper de la famille. Et donc, ils finissent par s'investir dans une activité qu'ils n'ont pas forcément préparée et qui, pour qui ça ne marche pas. Il y a ceux qui arrivent à réussir ici parce qu'ils ont encore des contacts là-bas, des frères, qui sont encore des soutiens financiers au début. Il y a aussi, comme elle a dit, ceux qui avaient une expertise dans le domaine des panneaux solaires ou dans le domaine de l'informatique et qui s'investissent ici, donc il y a une expertise. Il y a un plan d'affaires qui a été, etc., donc il y a une étude de marché. Mais pour d'autres, ça ne marche pas. Et qui vont retenter l'immigration vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal. Et après, il y a certains qui tentent, qui repartent en Espagne ou en France. On en a rencontré, en fait, de tous les cas. Le problème, c'est que souvent, le Malien est victime de mimétisme, c'est-à-dire que Néné a investi dans un domaine, nous on voit que ça marche, et donc c'est le domaine de Néné qui m'a mobilisé. Et donc c'est ce mimétisme qui a tué, parce qu'en fait le problème c'est qu'il n'est pas entrepreneur qui veut. Absolument. Être entrepreneur c'est avoir d'abord le goût du risque, c'est ne pas avoir peur du risque, mais c'est aussi de s'informer. Et souvent l'environnement des affaires au Mali n'est pas tout à fait le même que l'environnement qu'ils ont connu ailleurs. Et c'est pour ça qu'au Mali, en 2009, le ministère des Mali à l'extérieur a organisé le forum des investisseurs de la diaspora, et où ils ont profité pour dire à la diaspora quels sont les secteurs porteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des investissements dans le solaire. Mais il y a beaucoup de personnes, ça ne marchait pas parce qu'il y avait beaucoup de dessous de table qu'il fallait donner. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que ces quatre dernières années, avec la création de l'API, on a pu réduire, on a pu en tout cas promouvoir mieux les secteurs porteurs, on a pu encourager les gens et on a pu concentrer dans un seul service tous les dispositifs de création d'entreprise. Donc en 72 heures, en tout cas au moins vous avez les papiers. Et ensuite, il y a même une réflexion sur la banque des investisseurs de la diaspora, des choses comme ça. Et donc il y a une prise de conscience au niveau étatique et au niveau des migrants pour dire que bon, il faudrait étudier le marché, il faudrait peut-être pas forcément investir seul, il faut travailler ensemble. Donc, ceux qui ont échoué pour la première fois, c'était pour des gens qui étaient partis parce que dans la famille, ça ne marchait pas. Et quand ils sont revenus, ils se sont installés à Bamako. Ça a créé une autre rémigration vers Bamako, donc du village vers la ville. Les gens se sont dit, mais s'il est revenu, c'est qu'il a beaucoup d'euros, il a beaucoup de dollars. Et donc, la charge sociale finit par les empêcher. Absolument. Et certains aussi ont échoué parce qu'ils ont commencé à embaucher la main d'œuvre familiale. Alors que bon, l'entreprise n'est pas forcément, qualifiée. C'est vraiment les aspects sociaux. Je dis sociologie. De la question, et c'est très important. Et je vais avoir un peu cet avis-là de Néné qui est revenu aussi. Un avis sur le choc des cultures. Parce que, comme il l'a dit, vous avez une vie là-bas qui n'est pas forcément la même ici. Ce choc des cultures, personnellement, comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, je l'ai vécu et je suis encore en train de le vivre parce que c'est un processus et je pense que on continue d'apprendre et justement je pense que c'est cette capacité là à être ouvert à l'apprentissage, à être ouvert à l'inconnu aussi qui permet justement de mieux vivre, on va dire, ce choc de culture ou alors plutôt cette adaptation culturelle. Parce que dans mon cas, je peux pas parler véritablement de choc culturel étant donné que malgré le fait que j'ai grandi en France, nos parents avaient quand même fait le nécessaire pour qu'on ait un minimum, on va dire, de connaissances sur notre culture d'origine. Et donc, en rentrant, en s'installant ici, le plus difficile, ça a plus été de se rendre compte, en fait, qu'on ne connaissait pas. C'est de revenir en arrière et de réapprendre, exactement. De faire tomber ce qu'on pensait savoir pour être ouvert à l'apprentissage et à se dire, voilà, maintenant, je suis dans un nouveau contexte que je pensais connaître à travers mon éducation, mais aujourd'hui, j'y vis. Et c'est le Mali de 2018, dans mon cas c'était en 2018, et donc c'est pas le Mali que nos parents aussi avaient connu. Ça me permet, parce que c'est la fin de cette émission, mais ça me permet de revenir un peu sur le slogan qui a été développé dans la politique nationale de migration. Et je vous pose une question et la réponse que je veux c'est oui ou non. Est-ce que vous pensez que le Mali c'est notre nouvel Eldorado? Oui.
Oui. Je pense qu'on est d'accord. Et je veux remercier donc nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci. Je remercie aussi nos téléspectateurs qui sont tous les samedis devant leur écran pour suivre l'émission Médine et les inviter à respecter les consignes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'Agiroute et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau des distributions et des presses et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.